Notre force est dans l'union. Notre bonheur est dans la paix. Fort Niasingbe, une ère nouvelle pour le Togo. Un homme, un parti, un peuple, un programme. Fort Niasingbe et le RPT vous proposent aujourd'hui un projet de société en 20 points clés. 20 points qui vont changer la vie de tous les Togolais. Ce programme, le voici. Ce sont les 20 plus de Fort. Aujourd'hui, plus pour la réconciliation et l'unité. Plus pour le rayonnement international. Plus pour la sécurité. Plus pour la démocratie. Plus pour la justice. Plus pour la réconciliation et l'unité. Pour Fort Niasingbe, le Togo de demain se construira avec tous les Togolais. C'est pourquoi l'unité nationale reste la priorité des priorités de son programme. Je pense que la base de tout dans notre pays pour lancer ce que j'appellerais le changement, c'est la réconciliation, une vraie réconciliation entre les Togolais. Et pour être concret, je pense qu'on pourrait imaginer la création d'une haute autorité de la fraternité togolaise ou de la réconciliation, on trouverait le nom approprié, pour essayer de lutter contre toutes les discriminations fondées sur les différences ethniques, tribales, religieuses ou même de sexe. Bannir toute discrimination religieuse. Garantir l'égalité des chances dans l'accès aux emplois de fonctionnaires, au crédit et au marché public. Fort Niasingbe prendra une série de mesures visant à bâtir une nation plus solide parce que plus solidaire. L'heure est venue d'inventer un nouveau style de vie communautaire, de repartir sur de nouvelles bases en oubliant les querelles du passé. Nul n'est parfait. Alors si les erreurs qui ont été commises ont pu faire souffrir certaines personnes, blesser d'autres, alors ayons le courage de leur dire « pardonnez-nous ». Plus pour le rayonnement international. Écouté et respecté de par le monde, le Togo a toujours pu compter sur le soutien de nombreux pays frères. La récente tournée de Fort Niasingbe sur le continent a confirmé la solidité de ces liens d'amitié. Mes relations avec la communauté internationale, en tout cas sur le plan africain, puisque depuis que j'ai pris fonction, que je me suis retiré, j'ai quand même fait beaucoup de capitales africaines. Donc si pression il y a eu, ce sont surtout des pressions amicales. Et la plupart des chefs d'État que j'ai pu rencontrer, aussi bien le président Obasanjo du Nigeria, qui est en même temps président des exercices de l'Union africaine, le guide de la Révolution, le président Bongo, bon, si ces doyens m'ont reçu, pas seulement une fois, mais plusieurs fois, et ont accepté de nous donner des conseils, vous voyez que la diplomatie togolaise n'a pas beaucoup souffert de ce qui s'est passé. Pour mieux assurer notre présence internationale, il s'agit désormais de réorganiser notre représentation diplomatique. Le programme du candidat du RPT prévoit également la création d'un nouveau ministère de la coopération pour mieux coordonner les conditions de l'aide extérieure. Une chose est certaine, le réseau de sympathie tissé par Fort Niasingbe au gré de ses missions à l'étranger permettra au Togo de trouver toute sa place sur la scène internationale. Le président Fort est un homme riche en expérience. Expérience qu'il a acquise dans les couloirs du pouvoir, expérience qu'il a acquise aussi à travers les nombreuses fonctions qu'il a eu à assumer.
Vous savez, il a beaucoup voyagé dans le cadre des missions qu'il accomplissait pour le compte de l'État. Et par ce fait, il a un riche carnet d'adresses, ce qui est un atout pour le Togo. Fort à la tête de ce pays, le Togo pourrait naturellement retrouver la place de choix qu'il avait dans le Conseil des Nations. Plus pour la sécurité. Nos forces armées de sécurité ont réussi à faire du Togo l'un des pays les plus sûrs de la sous-région. Pour Fornia Singbe, il convient, dès demain, de renforcer et de rénover leur mission pour encore plus d'efficacité. Pour améliorer la sécurité des Togolais, de nos concitoyens, je vais d'abord renforcer les relations entre l'armée et la nation. Deuxièmement, les forces de sécurité et l'armée seront dotées d'un statut moderne. Troisièmement, je vais améliorer les conditions de vie et les infrastructures de nos frères militaires. La paix n'a pas de prix. C'est notre bien le plus précieux. Fort le sait. Et les hommes et les femmes de ce pays voient en lui le garant de la stabilité. C'est le trait d'union entre l'armée et la population. Et c'est l'homme qu'il faut pour ce Togo. C'est l'homme du changement. Et nous comptons sur lui. Plus pour la démocratie. Le projet de société proposé par Fornia Singbe passe par une modernisation sans précédent de notre système démocratique. Objectif prioritaire, protéger les citoyens contre l'arbitraire en renforçant le rôle du médiateur. Le médiateur est une institution qui existe déjà dans notre pays. Donc il s'agit en fait de redynamiser le médiateur. D'abord de donner plus de visibilité à son action et de prévoir qu'il y ait des délégués dans les différentes administrations. De façon à ce que les citoyens qui ont des problèmes, qui ont des revendications avec certains services puissent directement s'adresser à ce délégué-là. Et alors le médiateur montera au créneau. C'est-à-dire qu'il faut que dans leur vie quotidienne, les Togolais sentent qu'ils sont protégés face à l'État. L'État de droit et la légitimité démocratique sont au cœur de l'action de Fornia Singbe. Il l'a prouvé et il entend bien poursuivre dans cette voie en posant des actes forts. Son programme prévoit notamment l'organisation d'élections législatives libres et transparentes, la mise en place du Sénat pour une meilleure représentation des forces régionales et des élites religieuses, traditionnelles ou syndicales. Le développement de la décentralisation avec des pouvoirs réels aux collectivités locales. En homme de dialogue, Fornia Singbe souhaite également former un gouvernement d'ouverture pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Le gouvernement d'ouverture est indispensable dans notre pays au lendemain de ces élections. Et ça aussi, je n'innove pas, puisque plusieurs fois, le père de la nation a déjà tenté cette démarche. Ce sont surtout les esprits qui doivent changer. Les propositions, on les connaît. De dialogue, d'ouverture, je les maintiens. Mais je demande que l'effort soit mutuel, aussi bien du RPT que de l'opposition. En tout cas, moi, je m'engage à former un gouvernement d'ouverture après l'élection. Plus pour la justice. Les Togolais ont droit à une justice sûre, transparente et indépendante. C'est l'un des grands chantiers du programme de notre candidat. Fornia Singbe s'engage à assurer la transparence des décisions de justice. Un juge des libertés sera institué avec pour mission de contrôler les mesures restrictives de liberté. Enfin, le statut de la magistrature sera réformé pour garantir aux hommes de loi des perspectives légitimes de carrière. Plus pour la réconciliation et l'unité. Plus pour le rayonnement international. Plus pour la démocratie. Plus pour la sécurité, plus pour la justice. Fornia Singbe a de grandes idées pour le Togo, des idées de paix, de partage et de fraternité. C'est pourquoi
le peuple togolais lui souhaite bonne route et plein succès. Chers neveux, allez, allez, la foi est libre. On n'est pas président pour rien, on l'est quand on est fort, fort, mais très très fort. Dans les gars. En tout cas c'est l'homme qui fonde, très très fort, très très fort. Ah bon? C'est l'homme qui fonde. Président Gassimé fort. En tout cas c'est l'homme qui fonde, très très fort, très très fort. Ah ouais? C'est l'homme qui fonde. L'excellence.